Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui je vous propose un tour de John Guastafero qui se fait à l'aide d'un jeu de cartes et d'un spectateur. Pour les faits, je vais utiliser les cartes face en l'air. Je vais les mélanger un petit peu, comme ceci, encore un petit peu, comme cela, très bien. Au stop, nous choisirons une carte. C'est parti. Stop ici. Très bien, le 7 de trèfle. Alors pour cela, le choix de votre carte va nous permettre de réaliser un effet très sympathique. Le 7 de trèfle est perdu dans le jeu, comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais essayer de retrouver la carte de deux manières. La première manière, simplement en coupant le jeu. Et là, pas de chance. Je tombe sur l'as de cœur qui ne correspond pas du tout au 7 de trèfle. La deuxième méthode est un peu plus sympathique. C'est-à-dire que je vais couper à peu près le jeu en deux parties. Comme ceci. Voilà. Une partie face en bas, donc une partie face en l'air que je vais imbriquer l'une dans l'autre. Pour faire ce que l'on appelle un jeu pêle-mêle. Avec des cartes face en bas, des cartes face en l'air. Enfin bon, vous avez tout compris. Alors, soit votre carte est face en l'air et face en bas, soit votre carte est face en l'air. Nous sommes d'accord. Face en bas ou face en l'air. D'accord? C'est pas très facile pour moi de le retrouver. Pour vous, c'est rigolo, mais pour moi, c'est très difficile. Alors, j'ai trouvé la méthode ultime. Simplement en passant la main sur le jeu, comme ceci. Et instantanément, vous n'allez pas me croire. Toutes les cartes sont redevenues face en l'air pour laisser place à une seule carte face en bas. Croyez-le ou non, le 7 de trèfle. Ça vous a plu? Ok, je vois que ça vous plaît, donc je vais essayer de continuer. Nous pourrons faire un miracle aussi. Alors, le miracle, ça va deux fois plus vite que la première méthode. Simplement en coupant. Cette fois-ci, le jeu devient à deux rouges. Pour laisser place à votre carte, quant à elle, face en l'air. Je parie que vous préférez la deuxième méthode, non? Et pour finir en beauté, ce qui serait fort, c'est que votre carte, rien qu'en passant au-dessus du jeu, redevienne quant à elle, à deux rouges. Voilà les amis, je vous dis à bientôt. Bye bye.